Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passe les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des focus. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Sharon. Des matraqueurs assermentés qui fignolèrent en leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté les Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort, mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être mis sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait mieux en ce moment. Et le roi qui compte sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bien court. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions des villes, ils les appliquent toutes à la lettre, ils me font pitié, ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'instants qui coulent à rouge et noir, d'une révolution mentée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie. Ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent pépin. Ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être mis sous le signe de l'hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi Ricon sur son trône, me dit pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feu d'artifice et de flonflon. Ils vont oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté après une longue année d'usine. Puis bible et congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre, on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin fermente en tonneau. Ils sont sept pierres de leur vignoble, leur Côte-du-Rhône et leur Bordeaux. Ils s'exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, dès leur seul boire à fait tarer. En novembre, au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers derniers modèles de chez Peugeot qui pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Y supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever et bouffer de dinde au marron. Être né sous le signe de l'hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Qui droit pour faire des tamponneurs, y aurait 50 millions de prétendants.